parole, je demande, Seigneur, la plénitude de l'esprit. Je demande ta grâce et ta sensibilité afin que tu puisses affecter nos vies, transmettre ce que tu as à nous donner pour la seule gloire de ton nom. À toi la louange, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 4, le verset 14 au verset 21. Alors moi j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Non, je ne vous entends pas. Est-ce que vous aimez? Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Amen. Bon, pose la question à toi. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Amen. Encore tout, mais est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Dis-le-nous encore, est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Jésus avait dit qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Laissez-moi un peu vous parler de Jésus. Dieu, il fallait qu'il sauve l'humanité. Dieu va poser la question dans le contexte céleste. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Personne ne fut trouvé digne de répondre à cet appel. Et Dieu trouva son Fils unique, Jésus. Et comme Jésus est Dieu, Dieu ne pouvait pas venir d'une manière physique, charnelle, car il est esprit. Il fallait qu'il revienne un corps. La raison pour laquelle la Bible parle du mystère de la piété, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, vu de l'esprit, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Dans son état d'esprit, il devait se transposer à l'humanité dans une forme charnelle et corporelle, car Jésus est la parole. Il déclare au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La même Bible dit que la parole de Dieu a créé toutes choses. Tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Et dans Jean 1, verset 14, il dira que la parole a été faite chair. Alléluia. Alors, comment est-ce que cette parole est venue en chair? Ceci est un mystère. Quand Dieu, le temps était arrivé où Jésus devait venir dans le monde, Dieu va se charger au sixième mois après avoir visité Élisabeth par l'avènement de Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste. Au sixième mois, Gabriel sera envoyé auprès de Marie. Gabriel arrive et rentre dans la maison et il salue Marie en disant « Je te salue, toi à qui une grâce a été donnée. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni d'entre les femmes. » Il dit quoi? Il dit « Tu enfanteras un fils que tu donneras le nom de Jésus. » Et Marie lui pose la question « Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que cela va se passer ?» L'ange me dira, ne crains point, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et je veux dire à quelqu'un, quand l'Esprit vient sur toi, quelque chose se passe. L'Esprit est devenu sur Marie, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit qui est créateur, l'Esprit de Dieu qui est capable de tout, est venu. L'ombre du Tout-Puissant arrive du Marie et Dieu a s'est chargé de poser un enfant dans le sein de Marie sans l'apport d'un homme, frère. Jésus est Dieu et Jésus a été posé dans le sein de Marie par la vertu de Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de paix. Et voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils.
qu'on donnera le nom de Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes. Quand le temps fut accompli, le Saint-Esprit est venu, la main de Dieu se posait sur Marie et Marie a enfanté un enfant. Frère, Jésus a été conçu par la puissance de Dieu. Jésus a été conçu par la vertu de l'Esprit et il est resté 9 mois dans le ventre d'une femme. Dieu a habité dans le ventre d'une femme. N'est-ce pas un mystère? Il est resté 9 mois et au 9e mois, il est sorti. Il est né et quand il est né, l'étoile est sortie. Depuis l'Orient, les mages ont vu que quelque chose venait de se produire. La naissance du Créateur, la naissance du Roi des Rois venait de se manifester à la face de l'humanité. Sa naissance a fait que Hérode a commencé à trembler. Alors je me suis toujours posé la question, en quoi la naissance d'un bébé peut faire trembler un grand roi? Amen. La réponse est qu'il y a bébé et bébé. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un être roi. On est prince et on devient roi. Et lui, il est roi. Amen. Yes. Non seulement roi, mais il est roi des rois. Seigneur, Seigneur. C'est la raison pour laquelle Hérode a commencé à trembler. Un bébé qui boit encore du lait, il fait trembler un grand roi. Ça ne vous dit rien. Ça, c'est Jésus. Amen. Regarde votre individu, ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est mon Jésus. Il va naître. Comme tout homme, la Bible déclare qu'il se réveille devant nous comme une faible plante. Nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné. Il n'avait rien, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Personne n'aurait su que c'était lui qui était le Fils de Dieu. Il naît, il grandit comme tout le monde. Il grandissait en sagesse et en stature, en force. Et la Bible déclare à l'âge de 12 ans, il rentre dans le temple à la Bat Mitzva. De son passage de l'enfance à l'âge adulte, il est dans la parole, il discute avec les docteurs de la loi. Et ils étaient eux-mêmes étonnés de la connaissance et de la révélation, parce qu'il est la parole de Dieu. Jamais on n'a parlé comme lui, frère. Et lorsque le temps était arrivé pour qu'il entre dans le ministère, sur le plan public, je dirais, de manière officielle, sur la scène internationale, nationale et internationale, Jésus va venir auprès de Jean-Baptiste. Jean avait reçu l'ordre, celui que tu viens, tu verras venir à toi, c'est lui qui baptise d'eau, plutôt qui baptise de Saint-Esprit, de l'Esprit et de feu. Quand Jean le voit, Jean l'indique par l'Esprit. Jean ne l'avait jamais vu, mais parce qu'il avait l'Esprit, il a su reconnaître celui qui a l'Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous savez reconnaître l'autre qui a le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jean le voyant passer, il dit, voici celui-là est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et Jésus approche auprès de Jean. Jean le regarde, Jean vient se prosterner. Jésus dit, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Jean dit, non. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il dit quoi? Il dit, je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses chaussures. J'ai besoin d'être baptisé de l'Esprit de Dieu et de feu. Jésus dit, non, Jean, pour l'instant, c'est moi qui dois passer par le baptême pour montrer à l'humanité le chemin vers le salut. Il était sans péché. Il n'avait pas besoin de passer par le baptême de la repentance, mais il a montré le chemin à l'humanité pour que l'humanité passe par la repentance afin de recevoir le baptême de l'Esprit. Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et lui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus rentre dans l'eau. Jésus baptisé par Jean. Et la Bible dit, lorsqu'il sort de l'eau, pendant qu'il priait, il était prosterné, il priait son Dieu, il priait son Père. La
Bible dit à l'instant, le ciel va s'ouvrir, oh mon Dieu. Le ciel qui était fermé depuis plus de 400 ans, depuis le dernier prophète Malachie, le ciel était fermé, le ciel va s'ouvrir. Je suis venu dire à quelqu'un, depuis que Jésus est venu, ton ciel n'est plus fermé. Le jour où tu as accepté Jésus, ton ciel est ouvert. Depuis que tu as accepté Jésus, la bénédiction est accessible. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu va descendre sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et va se poser sur lui. Et une voix va parler depuis le royaume des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Il a été indiqué par Dieu. La voix a parlé depuis le royaume des cieux. Il a été recommandé par le décret du Tout-Puissant. Oh, j'aime quand Dieu vous recommande. La Bible dit, Paul dit, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Quand vous avez la recommandation de Dieu, toutes les portes vous sont ouvertes. Quand vous avez la recommandation de Dieu, rien ne peut vous empêcher d'aller de l'avant. Lorsque Dieu vous approuve, Proverbe chapitre 16, verset 7 nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Je veux dire à quelqu'un, tes ennemis sont ton marchepied. Ce sont tes ennemis qui vont t'amener dans ta destinée. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand les chrétiens sont attaqués, combattus, ils ont peur, ils tremblent, ils pleurent, ceci, ils gémissent. Mais je veux te dire que tes ennemis sont ton marchepied. Plus ils t'attaquent, plus tu montes l'escalier. Tu montes l'escalier jusqu'au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Être approuvé de Dieu, avoir la marque de Dieu, le Saint-Esprit tel un sceau, le Saint-Esprit tel une marque. La Bible déclare que en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Jésus sort de l'eau avec l'approbation de Dieu, rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Le Saint-Esprit va vous conduire aussi dans le désert, dans le lieu de la tentation, lieu de l'épreuve, lieu de brisement, lieu de dépouillement, pour déposer en vous un caractère, le fruit du Saint-Esprit, le caractère de Dieu, l'humilité, la sanctification, la pureté, la sainteté, la maîtrise de soi, la bonté. Dieu va façonner en vous le caractère de Christ. Vous allez être semblable à Christ parti sur le roc. Dieu va vous éprouver. Dieu va dépouiller la chair. Car la chair, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas venir là où la chair agit. Il faut que tu sois crucifié. Et le désert, c'est le feu. Le désert, c'est le dépouillement. Le désert, c'est un lieu où on rencontre le diable, les tentations pour vous éprouver. Il reste là 40 jours, il jeûne 40 jours et 40 nuits. La Bible dit qu'il ne mangea rien pendant ce temps. 40 jours devant la face de Dieu. 40 jours pour soumettre le programme de son ministère à Dieu. 40 jours pour humilier sa chair. 40 jours pour se sacrifier. 40 jours pour demander à l'Esprit de Dieu de se manifester. Car si vous voulez l'Esprit, vous devez aussi apprendre à crucifier la chair. Alléluia. 40 jours. Et la Bible déclare, au terme de son jeûne, le diable a venu le tenter. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il va vaincre la tentation. Alors regardez, il sort du désert. La Bible ne dit plus Jésus rempli de l'Esprit. La Bible dit Jésus revêtu de l'Esprit. Amen, amen, amen. Jésus, revêtu de l'Esprit. L'Esprit de Dieu vient sur toi tel un manteau de revêtu. Tu es comme enveloppé de sa gloire et de sa présence. Ce qui manque à l'Église aujourd'hui, c'est le revêtement.
vêtements de la puissance d'en haut. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu as besoin que l'Esprit de Dieu se revête de toi. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu veut oindre quelqu'un, Dieu veut répandre l'huile de son onction. Et quand l'Esprit est revêtu, la Bible dit, sa renommée s'est répandue. Jésus n'a pas fait de publicité. Ce sont les hommes qui ont fait sa publicité. Ce sont les démons qui ont fait sa publicité. Quand Jésus arrivait quelque part, c'est les démons eux-mêmes qui disaient, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Tu es venu nous perdre, Jésus, fils de Dieu. C'est les démons qui vont commencer à trembler devant toi. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Le démon va commencer à trembler. Qu'est-ce qu'il y a? Le revêtement de la puissance de l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il entre dans la synagogue. Il avait la coutume d'aller là-bas. Il avait la coutume. On le connaissait. Mais on ne le connaissait pas en tant que le Messie. On le connaissait comme Jésus, fils de Joseph. Jésus, fils de David, on ne le connaissait pas comme étant le fils de Dieu. On ne le connaissait pas comme le fils moi. Je veux dire à quelqu'un, tu veux changer ton identité. On ne doit plus te reconnaître demain. Car l'Esprit de Dieu, lorsqu'il arrive en toi, tu es changé en un autre homme. Ton esprit est venu sur Saül. Saül a commencé à prophétiser. Et la Bible dit, il fut changé en un autre homme. On l'a réveillé, le revêtement de l'onction. Dieu va changer ta nature. Dieu va changer les de ton ministère, tu vas changer la couleur, je dirais, le parfum même que tu vas dégager, ça sera le Saint-Esprit, l'odeur du Saint-Esprit. Amen. Oh my God, revêtu de la puissance de Dieu, il entre dans la synagogue de Nazareth, on lui donne le rouleau d'Esaïe, il le déroule. Et comme nous avons la Bible, dans Ésaïe chapitre 61, il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit veut être en toi, avec toi, mais aussi sur toi. Amen. Qui veut avoir l'Esprit sur lui aujourd'hui? Qui va avoir l'Esprit de Dieu? Vous êtes sûr? Amen. Vous êtes sûr? Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint. Dieu m'a donné l'onction. Quand la Bible parle de l'onction, nous voyons le Saint-Esprit comme de l'huile. Et de l'huile qui vient et qu'on applique sur vous. Vous êtes imbibé. Et David dit, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Tu as déversé l'onction. Tu as déversé l'huile de son esprit. Et la coupe de l'Éternel va déborder. Et quand la coupe de l'Éternel déborde, sans forcer, l'onction va commencer à toucher les gens. La présence de Dieu va commencer à se manifester. La Bible dit, vous savez comment Dieu veut, à moins du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, lorsqu'il arrivait quelque part, il était muni de la puissance de Dieu, avec la sensibilité de l'Esprit. Lorsqu'il fallait guérir, il guérissait. Lorsqu'il fallait délivrer, il délivrait. Lorsqu'il fallait sauver, il sauvait. Lorsqu'il fallait prêcher, il prêchait. Lorsqu'il fallait enseigner, il enseignait. Il dit quoi? Lorsque Jean-Paul lui pose la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre d'autres? Jésus n'a pas commencé à parler. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut la démonstration de la puissance de Dieu. Il faut que l'Église soit réveillée. Il faut que l'Église marche sous l'onction de l'Esprit. Il dit, regardez, les aveugles voient. Regardez vous-même, les sourds entendent. Regardez, les paralytiques marchent, les boîtes marchent, et les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Oh frère, oh ma soeur, c'est ça la force de l'Église du Seigneur. C'est le revêtement de la
la puissance de Dieu et nous avons besoin d'être revêtus. Je suis venu annoncer à une personne ici, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, tu as besoin de t'habiller de l'Esprit, tu as besoin de l'intimité avec l'Esprit, tu as besoin de marcher dans le secret avec l'Esprit. Fais de lui ton ami fidèle, fais de lui son ami fidèle, fais de lui la personne la plus intime. Entretiens sa flamme, entretiens cette flamme, ne la triste plus, ne l'éteins pas, n'éteins pas cette flamme. Demande à Dieu de rallumer la flamme du nom de Dieu en toi. Demande à Dieu que sans toi, je ne peux rien faire. La Bible déclare une chose, car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur, dit l'Éternel des armées. C'est l'Esprit de Dieu qui te donnera la victoire sur le péché. C'est l'Esprit de Dieu qui te donnera la victoire sur les démons. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. L'Église a besoin de l'Esprit. Je prie pour son Église. Sois rêvé de l'onction de Dieu. Où ma maman Satan, tu chanteras dans l'onction. Tu prêcheras dans l'onction. Tu évangéliseras dans l'onction. Tu chanteras la louange dans l'onction. Tu joueras le piano dans l'onction. Tu feras tout dans l'onction. Tu vas t'occuper de ton mari dans l'onction. Tu t'occuperas de ta femme dans l'onction. Tu vas élever les enfants dans l'onction. Tu vas travailler dans l'onction. Et quand on voit l'onction, on ne souffre jamais. On va de gloire en gloire. On va de progrès en progrès. On va de percée en percée. Oh maman, ma santa, maman, maman. Tu es la tête et non la queue. Tu es le premier, non le dernier. Tu es en haut et non en bas. L'Esprit de Dieu t'amène vers le ciel. L'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je l'aime? Qui aimes-tu? Ton petit copain? Ton mari? Ton pasteur? C'est bien, il faut les aimer. Mais aime plus l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu va changer les choses dans ta vie. Oh, j'aime Jésus. Il lui fallait juste 3 ans. Je suis allé moi-même en Israël pour voir un peu. J'ai voulu étudier un peu le parcours de Jésus, par où il est passé, pour comprendre un peu la Bible, c'est-à-dire être dans le lieu où les événements ont eu lieu. J'étais là-bas l'année dernière. J'ai vu Capernaum, j'étais en Galilée, passant par la Samarie, la Judée, j'ai dit waouh, Jésus-Christ a fait toutes ces choses. Nous étions sur l'autoroute, mais c'était super loin. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. À l'époque, il n'y avait pas les voitures. À l'époque, il n'y avait pas les médias. Il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais ils ont bouleversé le monde. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont secoué leur temps. Quand l'église est née, ils étaient 120. Ils ont bougé leur temps. L'Esprit de Dieu va faire que vous allez bouger votre quartier. Amen. Imaginez que tout le monde ici est revêtu de l'Esprit de Dieu. Frère, c'est pas souvent le pasteur qui va gagner des âmes. Lui, il va s'occuper des âmes. Chaque chrétien ira dehors. Il ira évangéliser. Il va chasser les démons. Il va prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Amen. Et quand les malades seront guéris, ils vont dire, où est ton Dieu? Il dira, c'est ici. C'est quoi le nom de votre église? Winners Fair. Oh, winners. Vainqueur. Faith. La foi. La foi victorieuse. Dis à propos de la question, est-ce que tu es winners? Tu es la question, tu es winners ou tu es loser? Le revêtement de l'onction de Dieu. Lève tes mains, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Seigneur, enveloppe-moi avec ton esprit. Fermez vos yeux. La présence de Dieu arrive
dans la vie d'une personne aujourd'hui. Une personne qui a dit à Dieu avant de venir, je veux que tu me parles. Tu as dit à Dieu dans ta prière, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux te voir, je veux te toucher. Le Seigneur te dit qu'il a entendu ta prière. Il a entendu ta prière. Il a entendu. Car tu as un appel de Dieu dans ta vie. Et Dieu a mis en toi la soif de Dieu. Tu as en toi la soif. Quand tu pries de foi, tu ne comprends pas, tu n'arrêtes pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Tu es comme dans un élan qui ne s'arrête pas. Des fois tu te crois, tu penses que tu es même devenu fort. Mais ce n'est pas la folie, c'est la main de Dieu qui arrive sur toi. Dieu veut t'utiliser dans une dimension d'intercession. Dieu veut que tu sois une personne qui prie et qui prie encore. La main de Dieu arrive sur toi maintenant même. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu vient s'emparer de toi. Il y a une autre personne ici que Dieu va utiliser puissamment dans l'évangélisation. La grâce de Dieu va s'emparer de ta vie. La grâce de Dieu, tu as en toi un fardeau de gagner des âmes. Tu es ici dans la salle, tu es ici dans la salle. L'onction de Dieu arrive sur toi maintenant, là où tu es assis. Au nom de Jésus, prends-la. Prends-la, je dis, prends-la maintenant même. Prends-la. Prends-la au nom de Jésus, prends-la, prends-la, prends l'onction de Dieu. Ou ma casa, katababababa, roboto bossona, rabakatamana, rekatamana, bobo, ikoto boroko bossona, baba. Tu vas évangéliser, Dieu te donne de nouvelles chaussures, des chaussures pour marcher, aller de lieu en lieu, évangéliser, parler du Seigneur. La puissance de Dieu viendra sur toi, la main de Dieu vient sur toi, et Dieu va t'utiliser dans le domaine de guérison, au nom de Jésus. Il y a une personne ici qui a le cœur d'aller prier vers les malades, dans les hôpitaux. La main de Dieu vient sur toi, Dieu t'a a déposé dans ton cœur ce fardeau, ce fardeau, ce fardeau. Prépare-toi, car la main de Dieu arrive sur toi maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que l'Esprit de Dieu vienne maintenant dans toute la salle. Restaurer l'Esprit. Là où tu es assis, pendant que tu as juste des mains levées, tes yeux fermés, tu t'attends à l'Esprit de Dieu. La main de Dieu vient sur toi. Je te dis la vérité. La main de Dieu vient sur toi. 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 Elle vient sur toi maintenant, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une personne ici que Dieu m'a élevé dans les affaires. Une personne ici que Dieu m'a élevé dans les affaires. Dieu va te bénir. Tu as fait une sémence à Dieu. Tu as dit à Dieu par cette sémence, je veux que tu te souviennes de moi et que tu bénisses mes affaires. Dieu a entendu ta prière. Il est venu aujourd'hui t'exaucer. Le Seigneur te donne 3 mois. En moins de 3 mois, tu verras les affaires dépôlées. Dieu a ouvert des portes, des opportunités. C'est bon, ouvert dans ta vie. Tu reçois l'onction pour tes affaires maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une personne ici que l'Esprit de Dieu va puissamment utiliser dans le domaine de la révélation. J'entends que l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un ici à qui Dieu a ouvert les yeux de l'Esprit. Je vois comme l'ennemi qui a voulu mettre un voile dans tes yeux pour que tu ne vois pas. Dieu enlève ce voile maintenant. Il enlève ce voile. Tes yeux de l'Esprit s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas commencer à te donner des visions de révélation. Il va te lever en esprit comme il a fait avec Ézéchiel. Prépare-toi, 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 prépare-toi. Mets-toi à part. Il y a une personne ici, tu as à cœur de jeûner, tu as à cœur de faire un long jeûne. Je te dis aujourd'hui que c'est moi qui te mets à cœur ce jeûne. Tu dois jeûner pour les vies, tu dois jeûner pour ce peuple, tu dois jeûner. Alléluia, oh ma cassa, tababababa, oh cela. Moi, Dieu, le demi à beaucoup combattu, je travaille. Je vois les gens dans l'ombre. Les gens qui sont dans l'ombre et qui sont en train de faire des incantations pour que cette œuvre ne puisse pas connaître une croissance. Dieu vous dit, rentrez dans un temps de jeûne, rentrez dans un temps de prière, vous allez voir la main de Dieu. Si vous respectez cela, vous allez voir en peu de temps, l'effectif va doubler. Dieu va doubler l'effectif. La main de Dieu est sur vous. Pasteur, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu te dit qu'il t'a appelé. La main de l'Éternel est sur toi. Lève-toi s'il te plaît, mon frère. Lève-toi s'il te plaît. La main de l'Éternel est sur toi. Dieu n'a pas fini avec toi. L'alliance avec Dieu n'est pas rompue. Dieu te dit, je suis fidèle. Je suis fidèle. Tu verras ma fidélité à nouveau dans ta vie. Tu as fait des prières. Tu as demandé à Dieu de voir sa main dans ta vie. De voir ta main, sa main dans ta vie. Il dit,
qu'il a entendu ta prière. Il dit qu'il va agir. Il dit qu'il va se glorifier. Il te donne la double portion de l'Esprit de Dieu. Il te dit, prépare-toi, marche dans l'Esprit et tu verras la gloire de Dieu. Thank you, Jesus Christ. Béni mon Fils, mon Seigneur, la grâce de l'Éternel soit son partage. Il y a des personnes qui sont visitées maintenant. Après le passage, Dieu vous visite. Je vous ai dit que l'Esprit arrive. L'Esprit de Dieu est en train d'arriver dans toute la salle, dans toute la salle. Il n'y a qu'une personne qui reçoit. Il y a un appel pour chanter. C'est un appel de louange et d'adoration. Mais Dieu va t'amener dans une dimension prophétique. Dieu va ouvrir ton oreille spirituelle pour entendre la musique céleste. Prépare-toi, prépare-toi. Jeune fille, prépare-toi. Prépare-toi car la main de l'Éternel est sur toi. Je te parle de la part de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Femme, la main de Dieu est sur toi. Femme, la main de Dieu est sur toi. Femme, la main de Dieu est sur toi. Prends l'esprit, mets ta main. Prends l'esprit, mets ta main. Prends l'esprit. Il est dans les prends l'esprit, il te révèle à toi, il se révèle à toi, il vient te révéler, il vient te révéler sa présence, sa pensée. L'onction de Dieu est sur toi. Oh Jesus Christ, Esprit de vérité,
par l'Esprit au nom de Jésus.
merci pour ce corps. Délier sa langue. Que ta puissance vienne maintenant le libérer maintenant. Que tout mauvais esprit le lâche maintenant. Lâche-le. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.